Les cérémonies d'élassement ont vécu dans les enceintes de la commune de Moussoussa. Pour lasser, l'hymne national a été exécuté. Le prestataire de santé, des autorités politico-administratives, des personnes vivant avec la polio, quelques parents ont pris part à cette cérémonie d'élassement. Présent à cette cérémonie, le Parlement d'enfants de Boutembo-Loubero a invité les parents à faire vacciner leurs enfants et de se passer de rumeurs visant à les décourager pour ne pas exposer la santé de leurs enfants. Katembo Ngunza Joël en est membre. Il nous revient maintenant, chers parents, de comprendre les bonnes raisons pour lesquelles les enfants de moins de 5 ans doivent être vaccinés pour ne pas les exposer à des risques de graves maladies, voire des paralysies partielles ou totales de votre enfant. La responsabilité étant entre vos mains, chers parents, vous avez le plein devoir de faire vacciner vos enfants contre la poliomyélite, car au-delà d'être un besoin pour les enfants, c'est aussi un droit fondamental pour tout enfant. Kasere Kaki Sokero vit avec la poliomyélite depuis 4 ans d'âge. Il explique aux parents que négliger la vaccination est dangereux pour leurs enfants, car la polio existe bel et bien. Nilifikia mara ingine, maisha inakuwa kugumu, nilipendelea na mie swati nikuwe bombe. Dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'être manutentionnaire ou bien même aller vers Tisalala pour pousser les vélos de bananes. Malheureusement, c'est impossible. Chers parents, si vous refusez de faire vacciner vos enfants, c'est un grand danger dans leur vie. Vous pouvez me voir à passer que je suis bien. Malheureusement, je souffre. N'importe quel parent ne peut pas aimer si son enfant devient handicapé. Chers parents, il faut faire vacciner vos enfants pour lutter les différentes maladies, à titre d'exemple, le polio. Le maire de Boutembo, présent au lancement, a encouragé ses administrés à préparer leurs enfants pour la vaccination qui ne va durer que 3 jours. Ensemble, protégeons nos enfants de 0 à 59 mois en les faisant vacciner contre la poliomyélite. C'est à cette période. Et je déclare lancer les activités de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite avec la stratégie porte à porte ce mercredi 9 août 2023. Lancement proprement dit, une dizaine d'enfants ont reçu leur dose ce jour. Cette vaccination se fera porte à porte à partir de ce jeudi 10 août au samedi 12 août. 915 039 enfants ont été recensés pour recevoir ces vaccins dans 17 zones de santé de la division provinciale de la santé Antenne de Boutembo.